Pointe Noire. Bienvenue dans le 4e arrondissement de la capitale économique du Congo. Ici, c'est Luanjili. Mesdames et messieurs, précédemment on était au fond de Tchétché, les backstage du fond de Tchétché, quartier La Poudrière. Maintenant on est à l'entrée Makayabou qui venait rencontrer un éminent de ces quartiers, l'élite de ces quartiers, Monsieur Tapis Rouge. Monsieur Tapis Rouge, on va le rencontrer. Oui, je pense que c'est ici, chez Tapis Rouge. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oh, toujours à 5 épingles. Toujours. Bon, toujours. Je suis le Vdou Pamba. Ah, je voulais rencontrer Tapis Rouge. Oui, il est là. Ok. Merci, je m'approche. Oui. Oh, le rouge. Oh, le rouge. Motonanga. Le rouge. Le Vdou Pamba. Ok, ok. Ah, le gars qu'on a fait à Bamboko. Mais je suis arrivé chez toi. Je suis arrivé chez toi. Ah oui. Donc, au Monikaga. C'est le quartier, oui. C'est la découverte des quartiers, ah bon. Donc Tenue de Ville est venue chez vous, ah oui. Et on doit se déplacer pour que tu nous montres ton quartier. Pas de soucis, je suis quand même un leader d'opinion. Tapis Rouge, il est là, je suis tellement très ému, mais on ne peut pas se déplacer de la maison sans vous me représenter ma petite famille quand même. Ok, Mambou Kevé. Petite famille. Okay. Alors, Lipsia. Ok. Oh, 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 oh. Ah bon? Oui, ça ah c'est bon? Ma femme. Ok. Mère à bonjour. Bonjour. On regarde les mesures barrières. Bonjour. 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 Ça c'est ma première fille. Ah d'accord. Et enchanté. La deuxième est à l'école et ça c'est la troisième. Ok, merci. Seigne. Merci. Seigne. 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 Tu fais un truc pour nous? Fais un truc. Tu... Seigne. Seigne. Ah, là c'est bon déjà. Là c'est bon déjà. Fais Seigne. Vraiment ravi de vous rencontrer. Seigne. Ravi de vous rencontrer. Bon, moi je suis venu chercher le père de famille parce qu'on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. On va à la découverte du quartier Makayabou. Ah bon, oui. Tout au moins l'entrée Makayabou. Ah oui. Donc, vraiment merci. Ravi de faire votre connaissance. Donc, nous on va y aller. Plaisir. Donc, tout à l'heure, mon frère. Merci. Ok. Merci. Au revoir. Au revoir. On est là, je pense que on est chez Tapis Rouge, donc lui il va nous accompagner. Il va nous accompagner dans la découverte de son quartier. C'est donc Tenue de Ville, inédit, donc Tenue de Ville. Notre guide s'appelle Tapis Rouge. Hé hey, Tapis Rouge, dis-moi. On est arrivé chez toi, Tenue de Ville, parce que tu es parmi ces leaders des quartiers là. Et on sort de chez toi à la maison, on présente-nous ton quartier. Ah oui. On va commencer par... On va commencer chez Maman Le Boko. Donc je vais vous présenter Maman Le Boko. Donc on va marcher. Ok, Maman Le Boko, en qu'est-ce que ça kiki? Maman Le Boko, ni à moutique nourrir et tout. Donc si... Madame, parfois, il y a de certains jours, je me reconnais à mon avis. Ah, d'accord. Ah, ok. Non, moi, tous les quartiers, parce que nous sommes là chez Maman Le Boko. Ok. On a représenté le vidéo de Maman Le Boko. Il y a un mot qui est salé avec moi. Ma soupe, ma sauce. Ma sauce. Ok, c'est bon. On est prêt pour y aller. Non, mais pas de soucis. Ok. Toujours. Leader.
Ah, C'est chaud. Luangili et ses paris au sud de l'arrondissement de Mvumvu par la rivière Songolo jusqu'au pont de la rivière Lubenda au carrefour de la Corave au nord. À l'est, les limites sont constituées par l'intersection des axes routiers de la Nationale 1 menant à Brazzaville et de la Nationale 5 en partance pour le Bas-Kwilu. Nous apprenons que Luangili est le nom de l'ancienne capitale de la dynastie des Bouvanji, une puissante confrérie des forgerons, originaire du Kabina qui s'était imposé aux populations locales de la côte de Luango. Dans la circonscription du maire Zéphiringué, nous comptons plusieurs quartiers. Luangili District, Luangili Faubourg, Chiali, Nkwiko, Songolo, Ngofu, Raffinerie, Mwambisi, Mbota Carlos, Mbota Rock, Chibachi, Bisongo et ici, nous sommes à Makayabu. Vous allez pas mettre le boko donc vous savez moi qui avant de continuer découverte n'abîme sur le quartier donc
ni maman Loboko, n'est-ce pas? Oui, maman. Ok, maman. Je suis très heureux de vous parce que je suis très heureux de vous recevoir. Na yokika histoire au maman Loboko to kino tala ye parce que ye moto aller sa kabiso ba jeune na quartier moi soupe ya tongo wana vers 11h midi ye moto sala kango mais to yiko tala tapis rouge ye moto meme biso ba kotoyo yo meno on to que maman Loboko ye biso biso na ni a propos ya tapis rouge et puis ye biso biso on ngumo ezala kana yo na quartier ni ba jeune ba ye kaka wa quartier makayabu yo moni la ngondeni banana na tapis rouge on peut se développer en tout cas na tapis rouge bisana ye en tout cas to za bien a za fait bien na quartier vivra ka bien to sala va bien c'est la vie c'est tout comme il logo na biso ko lia to lia en tout cas to le sa journée moko bien ye pa za bien na quartier a za humble ah d'accord ok c'est quelque chose de bien. Maintenant, à propos du quartier, il y a le bandit. Quartier n'a bien. Oui, quartier n'a bien. Quartier n'a bien. Quartier n'a bien. Tout ça bien. Un peck. Un peck. Mais, côté de Moussou, je ne sais pas si quartier, moi, banditisme, mais ça a été. Non, il y a un banditisme, mais ça a bien. Ah, vous allez bien ou bien ou bien. Tout ça bien éduqué. En tout cas. Ok. Les ordres des salagatés, tout ça bien. Tout ça est bien. Tout ça est bien. Tout ça est bien. Tout ça est bien. Ok, merci beaucoup. Maman Loboko, tu te dis que tu es là. 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 Tu On a dit que c'est chez le chef du bloc, un certain monsieur Tati. Magnifique. Bon, tu as bien, ouais? Ah, vraiment. Ah, vous avez ça, monsieur Tati. Ah, d'accord. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, c'est un plaisir. Vraiment, chef. Je porte allégeance. Vraiment, ça, il m'ingue d'un coup. Mettre tenue de ville. Il y a une émission, mais émission en gros, il y a un goût, il y a une rencontre, un point de découvrir le quartier à Pointe-Noire. Donc, on a même une cuisine dans ma caillou. On a même une cuisine en tant que chef de plan. Mais la question est de vendre mieux, parce qu'il y a une grande pour que le solo soit bien. Il y a une famille qui est dans le salon. Donc, ok. Donc, on va sortir avec M. Tati pour que. Vraiment merci Monsieur Tati de cette simplicité que vous avez à recevoir vos hôtes. Ma partie est vraiment dès que il y a un tapis rouge, vraiment quartier mais ben que vous liez dans votre puissance. Membre il y a pour l'ouata, membre il y a animation il y a quartier. Tapis rouge mais naturellement tout ambiance dans quartier depuis un depuis ça. Il y a une autorité civile à quartier. Il y a un membre. On est à Pointe-Noire. Donc chaque quartier qui va là, il y a un problème. Il y a un CND. Maintenant, par exemple, dans le quartier de Benia, il y a un Makayabu. Quel problème il y a qui miné que Beno Awa? Et expliquer un peu au quartier en bonne façon, mais il y a structuré. Mais il y a une délimitation à quartier en gros façon expliquer naba mambo ya ngudi ina ke déranger bien dans quartier. Est-ce que banditisme, est-ce que insalubrité, est-ce que l'infrastructure qui manque bien dans quartier? Donc parole que n'angue monsieur Tati na quartier herbe vendi évoluer na quartier ma mambo ya mvuso vendivé. Bon, au fur et à mesure, babante que n'a pas évolué que maman que n'a pas changé que n'a quartier. Mouké n'a quartier, mouké 25 ans. Ça me fait 42 ans ou 40. Depuis, depuis mouké là, ça fait depuis 78. Mouké n'a quartier. Donc même le pan gabeti aïe, elle mouké d'avoir son babante. Il y a 400 personnes qui sont boudées.
parce que les réunions Wanda, c'est que nous sommes à Gornyangé. Nous sommes à Lupangu, nous sommes à Lupangu. Maintenant, là, qui a commencé à être dans le quartier, nous avons des tambours de Yakouvé, dans la zone. Dans la pipe, dans le tambour de Yakouvé. Bon, maintenant, la police m'a communiqué. Pas que l'outil qui a commencé le goudronné, mais il y a un côté dans la ruelle. Donc, Baba a dit comment Wanda mettait dans la ruelle. Ok. Je mettais là. Donc, Baba a dit comment nous allons venir dans la principale. Ni la ruelle, quelque chose que l'outil a fait. Donc, il y a Baba Nfumu, le maire, le commissaire, même beaucoup de chefs du quartier, que nous avons dit que nous allons s'enlever. Il faut mettre. Parce que Baba a été chef de bloc, il y a une question d'anglais. Parce que nous allons entrer dans l'œil. La délimitation, c'est-à-dire que la frontière est bien. Parce que nous, on ne s'arrête pas dans le bloc, il y a un kaka. Mais nous allons expliquer en tant qu'ancien, plus de 40 ans dans le quartier. Nous allons prendre moins de temps, mais nous allons expliquer un peu de délimitation. Il y a un quartier. Ah oui, quartier, il y a vraiment. Il y a des vrais. Délimité là. Mais que chef de bloc, mais que Ming, mais que 52 chefs de bloc. Wow. Donc pour vous dire que non, ça, c'est... la limite que montre montre que n'a pas limite à rien. Quel que le bloc à mon aussi membre pour moi, vraiment le maire que beaucoup têtes nous n'a bloc en guerre. Bah mes fois c'est évident. Oui. Donc nous nous comprenons d'expliquer. Donc la limite que yinda. Makayabou, nous sommes restés en compagnie de Tapis Rouge. Son objectif, nous faire l'amitié de nous présenter son point de repère le plus festif de tous les week-ends. Direction Mbota Carlos. Pour la petite histoire, Mbota veut dire étoile. C'est dans la langue vili. Étoile, parce qu'il y a une époque, une météorite était tombée dans cette zone de la ville. En ces temps-là, Mbota appartenait à deux clans, Mbota Luisi et Mbota Chibulu, avec plus loin la rivière Bisongo. Selon la tradition, le lac Bisongo était le domaine de deux génies frères et sœurs. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, revenons à Mbota et place à la diatance.